Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Patronale Originale, votre magazine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant Jean-Pierre Amougou-Bellinga. Selon Jean-Pierre Amougou-Bellinga, l'homme Betty est foncièrement paresseux, malhonnête, sournois, cynique, méchant. Lors de la visite du chantier de son futur immeuble siège ce mercredi 1er juillet 2020, l'homme d'affaires accuse ses frères du village de vouloir détruire sa réputation. Jean-Pierre Amougou-Bellinga est très remonté contre ses frères du centre. Ce mercredi 1er juillet 2020, lors de la visite du chantier de construction du nouvel immeuble siège de son groupe, le très sulfureux patron du groupe L'Anecdote tire avec des mots très virulents sur les membres de sa tribu. Il s'agit des Betty. Il s'agit de lancer un avertissement à tous ceux qui sont en train de me jeter des pots de bananes. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios. Si je sens encore la moindre provocation, je laisserai ma casquette de patriarche et je demanderai à mes journalistes de faire leur travail et tout leur travail et personne n'oserait m'accuser de fratricide, menace très sévèrement Jean-Pierre Amougou-Bellinga. Par ailleurs, il dit être victime des persécutions de toutes parts. Les ennemis sont partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et je dirais même beaucoup plus au centre. J'en sais quelque chose, j'en profite aussi pour dire à mes frères du centre qu'ils ont intérêt à rester tranquilles. À la bouclée, commente le promoteur de Vision 4 Télévision. Il en profite pour revenir sur son périlleux parcours. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, fulmine-t-il. En véritable, devin, il accuse ses frères de manœuvrer pour sa chute. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme Betty est foncièrement paresseux, malhonnête, sournois, cynique, méchant, conclut-il. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et de vous abonner. À très bientôt. Ok. Je voudrais dire merci à monsieur le directeur de Vision 4, monsieur Amougou-Bellinga, d'avoir insulté copieusement les Betty, dont j'en suis un en Mondo Vision. Mais je lui donne 72 heures pour préparer sa défense. Parce que je vais vous rappeler, monsieur Amougou-Bellinga, en Betty, le linge sale se lève en famille. Vous n'avez pas à vous placer en Mondo Vision pour rappeler aux Betty les vilains petits canards. Ce sont des outrages. Préparez votre défense en ce jour. Je vous donne 72 heures. Si vous ne demandez pas pardon à tous les Betty du centre, sachez que nous allons partir en justice. Comme vous avez 4 chaînes de télévision et 2 radios, nous n'avons rien, les petits. Merci.